Ils ont des voix extrêmement reconnaissables. Pas étonnant que Disney et Pixar aient fait appel à eux pour incarner ou réincarner ces personnages flamboyants. Alors on va accueillir d'abord deux charmantes demoiselles. On va commencer par une icône, une actrice, chanteuse, animatrice télé. Elle a donné vie une première fois il y a 14 ans à un personnage absolument énorme dans tous les sens du terme, malgré sa petite taille. C'est Edna Mode. Et donc je vous prie d'accueillir tout aussi mythique qu'Edna Mode, Amanda Lear. Bonjour. Bonjour tout le monde. Charmante autre demoiselle qui s'est autant blonde et brune, autant charmée au cinéma que par la musique. Elle est actrice, chanteuse, musicienne. Elle incarne une adolescente pétillante et un petit peu torturée dans Les Indestructibles 2, Mademoiselle Violette, ou plutôt Loan Emera. Bonjour. Et last but not least, comme diraient les Américains, un acteur avec un grand A, une gueule de cinéma, un charisme inégalé, une certaine idée de la sexitude et de la virilité, mesdames et messieurs, le magnifique Gérard Lanvin. Bienvenue à tous les trois, merci d'être là. Une belle équipe, trois super-héros, chacun dans leur genre. Je vais peut-être d'abord commencer avec vous, Gérard. Est-ce que c'est la perspective de devenir un super-héros, ou plutôt celle d'être un homme au foyer qui vous a donné envie d'incarner ce personnage? Non, d'un super-héros. Un super-héros. Homme au foyer, je le suis depuis longtemps. Donc, super-héros, ça m'a fait des vacances. Amanda, vous retrouvez ce personnage incroyable. Elle n'avait que quelques scènes dans le premier, elle n'en a que quelques-unes dans le second, mais oui. C'est vraiment devenu très vite cette Edna Mode, un personnage mythique. Oui, je trouve qu'ils ont mis un peu longtemps à faire le 2, parce que, vu mon espérance de vie, j'espérais quand même. Et donc, depuis 14 ans, c'est très curieux parce que ce petit personnage qui est un personnage secondaire, quoi, elle n'a pas de super pouvoir, elle, il est devenu un peu culte. Il y a des tas de gens qui sont tombés amoureux de cette petite bonne femme qui est assez désagréable. Et finalement, les gens me disent, tu sais, c'est ton meilleur rôle, il faut absolument que tu refasses Edna. Donc, on attendait avec impatience le retour de Edna. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec elle? Avec Edna? J'ai trouvé moche, non, au départ. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai plus pas compris, parce qu'on a toujours tendance à croire qu'il faut qu'on ressemble physiquement au personnage. Évidemment, comme c'est pas le cas, je j'imaginais pas une seconde que je pouvais rentrer dans ce caractère de cette femme avec un caractère bien trempé, qui supporte pas la contradiction, etc. Mais après, ça s'est bien passé. Loan, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Comment est-ce qu'on est appelé? On vous appelle, on vous dit voilà, on aimerait que vous deveniez la Violette française des Indestructibles. Comment ça se passe? Alors moi déjà, les studios Disney et Pixar, ils savaient que j'avais très très envie de travailler avec eux depuis longtemps. Et en fait, ils m'ont demandé de venir faire des essais. J'ai un peu pété un câble. Ça se traduit par rien dire à personne, aller faire les essais, sortir des essais, appeler mes sœurs, hurler au téléphone en disant « Je suis en train de réaliser le plus grand rêve de ma vie !» et qu'elles me répondent direct du tac au tac « Disney !» Et du coup, ça s'est un peu traduit comme ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est un gros sentiment de fierté, en fait. En tout cas, quel résultat magnifique, hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. J'imagine que vous avez plein de questions. Alors, je vous en prie, monsieur. Bonjour, j'ai une question pour les trois. Vous présenter. Alors, Vincent Raymond, donc, le petit bulletin à Lyon. J'aimerais savoir si vous pensez que vos voix respectives ont un super pouvoir. Ça, c'est une question pour Gérard. Oui. Non, je pense que les trois personnes que vous avez en face de vous, hein, on des voix, on n'y peut rien, c'est un don, on l'a reçu et on s'en sert. En fait, on nous l'a fait découvrir, on ne le savait pas. On a notre voix, et à un moment, on vous dit, tu sais que tu as une voix vachement intéressante. Et c'est à ce moment-là que vous prenez conscience que la voix, pour un acteur, évidemment, est vraiment fondamentale et indispensable, parce qu'elle fait la différence, souvent. Elle donne l'énergie, elle donne un super pouvoir. Il y a des voix, je vous assure, qui vous calment, qui vous guérissent,
qui me donne des érections instantanées. Oh, il a ça, c'est pour des voix. Oui, la mienne. Non, mais d'ailleurs, c'est pas étonnant. Enfin, vous êtes quand même trois voix très reconnaissables. Il y a deux personnes qui chantent. Même Gérard, vous êtes essayé à la chansonnette, on s'en souvient tous. Hein. Oui. On peut dire, je me suis essayé, oui. Louane, vous aussi, comment justement vous êtes rendu compte du pouvoir de votre voix? Qu'est-ce qu'elle fait, votre voix, auprès des vôtres et de votre public? Elle apaise? Ouais, moi, après, c'est différent parce que j'ai vraiment commencé par la musique. Donc, j'ai commencé par chanter parce que j'aimais ça. J'ai pas vraiment compris tout de suite ce que ça pouvait faire. Mais après, on sent ce que ça fait quand on regarde le visage des gens, en fait, je crois. Je crois que c'est ça, moi, que je capte, en fait. D'autres questions? J'aimerais savoir si vous avez l'impression qu'en vous, il y a un super... vous êtes indestructible d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous avez un côté indestructible chez vous? Moi, je pense que... Moi, je lui répondrais oui, parce que on vit dans une société où on essaye de nous détruire, hein, avec les problèmes, les envies, les jalousies, les rivalités, les problèmes quotidiens, etc. Donc on pourrait très facilement se laisser détruire, ce qu'on appelle le burn-out, je sais pas. Donc il faut vraiment s'efforcer, avec une certaine force mentale, d'être indestructible. Enfin, moi, je ne suis pas indestructible, mais j'essaie, voilà. Moi, je pense que mon indestructibilité, elle est due à l'entourage que j'ai. Je pense que ma plus grande force, c'est l'entourage que j'ai. Ma famille, mes amis, les gens avec lesquels je travaille. C'est grâce à ça que j'ai de la force, je pense. En même temps, un artiste, il a des failles. C'est un peu ce qu'il définit, non? Il en faut, hein, pour laisser passer la lumière. Mais il a des failles. Oui, un artiste, en l'occurrence, pour le coup, n'est pas sûr de lui. Hein. Il ne faut pas croire ça. Nous, on est à disposition. Et quand les gens critiquent le travail qu'on fait, on l'admet totalement parce qu'on se met en avant. Mais il faut savoir juste une chose, c'est que Amanda, autant que Louane, autant que moi, on fait juste un boulot pour faire plaisir aux autres, pour distraire les gens. Ça ne mérite pas forcément l'ambiance à la méchanceté, à la critique obligatoire et obligée. Moi, j'ai pour Amanda Lear beaucoup d'admiration, beaucoup parce que c'est une personne qui évolue dans un système difficile. Elle a toujours été présente avec beaucoup de recul, avec aussi beaucoup de fragilité, mais beaucoup de force. Louane, je lui souhaite le même parcours, c'est-à-dire des parcours à long terme. Mais c'est des parcours dont il faut comprendre la difficulté et l'assumer. Parce que c'est bien de notre faute si on est là. Quoi. Mademoiselle, bonjour, Sophie pour un nouveau magazine qui s'appelle Les Surdoués. J'ai une question pour Louane. Est-ce que la Louane adolescente a des points communs avec Violette? La Louane adolescente, oui. Moi, aujourd'hui, non. Bien sûr, le côté ado rebelle, vraiment, vraiment pas sûr de soi, le côté qui a envie de mettre des coups de tête à tout le monde, en fait. T'étais amoureuse d'un serveur de hamburger, toi aussi? Franchement, ouais, c'était cool. C'était très cool. Après, en fait, je pense que c'est pas moi, adolescente, je pense que c'est l'adolescence en général. On a tous un moment dans l'adolescence où on a envie de mettre des coups de tête, pour des raisons différentes, hein, mais je pense que... Peut-être pas qu'à l'adolescence, d'ailleurs. Ouais, mais à l'adolescence, c'est profond, parce qu'on a l'impression que le monde est contre nous. Oui. C'est un vrai truc de l'adolescence, ça. J'en parle parce que j'y étais il y a pas si longtemps. Donc, voilà. Mademoiselle, je vais regarder. Merci. Hop là. Julie Polizier de City Press. C'était une question pour Gérard Lanvin et Louane. Du coup, les deux. Vous avez tous les deux repris donc la voix de Bob et de Violette qui était auparavant faite par deux acteurs. Est-ce que... Du coup, vous êtes inspiré des prestations du premier film? Est-ce que ça a été difficile de rentrer dans la peau de vos personnages? Comment vous avez géré ce nouveau personnage alors qu'il avait été déjà interprété par un autre? Je pense que on peut pas vraiment se calquer sur quelqu'un. On a des voix trop différentes des personnes qui ont été là avant nous, des acteurs qui ont été là avant nous. Donc moi, j'y suis allée vraiment... de façon fraîche, en fait. J'y suis allée comme si c'était la première fois que Violette, elle existait, même si c'était pas le cas.
Et en fait, la vérité, c'est que la personne qui m'a le plus aidée, c'est la directrice artistique, Barbara, qui était vraiment, vraiment là pour me guider, je crois. Et toi ? Moi, j'en suis sûr. Dire Barbara un grand merci parce que c'est quelqu'un de formidable. Il y avait Boilem aussi, il y avait Virginie, bien sûr. On s'enferme dans le noir pendant 3 jours avec des gens qui savent ce qu'ils veulent obtenir. En cela, il ne faut jamais aller vers les trucs d'origine. Donc, même pour un film, hein, il y a des remakes qu'on fait des fois, malheureusement souvent ratés. Mais en l'occurrence, il ne faut pas les regarder parce que sinon, vous vous inspirez de quelque chose. On ne vous demande pas de faire l'identique. Donc, à partir de ça, c'est à vous de créer une émotion à partir de votre personnalité, de vos sens de l'observation. Et là, avec la voix, il a fallu la travailler un petit peu, c'est-à-dire la remonter un peu, n'être pas dans les graves absolument par rapport au physique de ce personnage, etc. Et donc, comme Amanda, j'espère qu'on ne va pas attendre 14 ans pour en faire un troisième, parce que je serai quand même dans un endroit où on nous foutra vraiment la paix. Mais en même temps, vous ne nous reverrez pas là-dessus. Quoi. Hey, moi, je non, mais c'est vrai que c'est pas, on ne fait pas un travail d'imitateur, donc on ne cherche pas à imiter totalement la voix originale, parce que c'est un travail d'imitateur. En fait, notre voix n'est pas du tout celle de l'original, mais le caractère avec notre voix actuelle, on essaye de rentrer dans le caractère, les intentions du personnage. C'est comme un personnage de fiction, en fait, vous le considérez comme... Vous jouez un rôle. Ah ben c'est un rôle. Ben c'est, oui, c'est ça. C'est un rôle et c'est très pointu. Il est plus facile, pardon, excuse-moi, il est plus facile de faire un rôle au cinéma, parce que là, vous devez contrôler l'image. Vous devez contrôler le texte, c'est-à-dire le rythme aussi. Ah oui, ça, c'est pas mal. Vous devez contrôler tout ça sans jamais avoir eu le moindre contact avec le truc. C'est-à-dire que c'est le mardi, on vous dit, voilà, ben, on le fait mardi, mercredi et jeudi. Et c'est là où vous découvrez tout. Donc l'œil doit passer, et sur un dessin animé aussi pointu, enfin, sur des images aussi pointues, des expressions aussi bien jouées, il faut être très attentif au jeu du personnage, contrairement à... Par exemple, l'âge de glace ou Mani, c'est un mammouth, il y a une trompe, il y a tout ça. On travaille qu'avec les yeux. Là, il faut travailler avec les mouvements de lèvres, les machins. C'est un gros travail d'acteur, enfin de comédien, pardon. Et surtout, on n'a pas, comme au théâtre, des mois de répétition avant pour rentrer dans le personnage, etc. Là, c'est immédiat, il faut tout de suite être dans le rôle. Il faut être bon dans les premières prises. Monsieur. Bonjour, Olivier Bois, groupe Centre France La Montagne. La morale de l'histoire, un peu, c'est le fait qu'on a besoin de super-héros pour que le monde tourne. Est-ce que dans la vie vraie, on en a aussi besoin ? Ils sont où ? C'est la morale de l'histoire ? Sans super-héros, la fin serait moins réjouissante. Moi, je pense que sans famille, la fin serait moins réjouissante, en fait. Je pense pas que ça tourne autour... Évidemment, ça tourne autour des super-héros parce que c'est le thème du film. Mais moi, je pense pas que... Je pense que la vraie situation du film, c'est à quel point la famille, c'est important et à quel point on peut compter les uns sur les autres et que c'est comme ça qu'on triomphe. Moi, je pense que le vrai message du film, c'est que c'est pas que les super-héros rendent la vie meilleure. C'est qu'ensemble, on peut rendre la vie meilleure. Ah, c'est un ensemble général. Alors, je me permettrais d'ajouter une petite question. Est-ce que vous préférez la famille Bélier ou la famille des Indestructibles? Je vais vous répondre honnêtement. J'ai pas de préférence. Moi, ce que j'aime en général, c'est la famille. Merci. Oui, monsieur. Oui, pour revenir sur ce que disait Gérard Lanvin, est-ce que quand vous jouez comme ça des voix, par rapport à un rôle, disons, où vous jouez avec votre corps, etc., vous avez le sentiment d'avoir plus ou moins de contraintes et plus ou moins de liberté? Est-ce que vous êtes tenu davantage à coller au personnage tel qu'il est, que vous avez à l'interpréter? On a plus de contraintes, ça c'est clair. Parce qu'au cinéma, on vous laisse... Alors, il y a deux façons de travailler. Au cinéma, il y a comédien et acteur. Hein, c'est pas du tout les mêmes choses. Les acteurs travaillent avec leur personnalité, leur filtre, etc. Les comédiens ont eu besoin d'apprendre tout ça. Bon, ça, c'est chacun son histoire. Il y a des aptitudes ou pas à avoir dès le départ. Pour le dessin animé, il n'y a pas d'aptitude à avoir. Je veux dire, le problème, il y a une technicité à comprendre. Et après, il faut avoir le sens du jeu par rapport à ce qu'on vous propose de jouer.
C'est assez difficile, en fait, par rapport au métier d'acteur devant une caméra. Je pense que c'est plus pointu comme travail. Allô ? Oui. Je voulais savoir si le message de tolérance et d'acceptation de l'autre avait une importance particulière pour les uns et les autres. Et une question pour Amanda, est-ce que cette modasse un peu péremptoire et acide, vous en avez déjà croisé dans votre carrière? Alors ça, on en croise partout, les jours. Des bonnes femmes comme ça, péremptoires, madame je sais tout, tout ce qu'elle dit ça ne se discute pas, c'est comme ça, c'est moi qui décide, donc ça il y en a un petit peu partout. Mais bon, c'est un personnage féminin qu'on trouve de plus en plus dans nos sociétés, pas seulement dans la mode, mais je veux dire dans le business, dans le restaurant, dans n'importe quoi, dans la société. Il y a de la tolérance dans votre question, je comprends très bien. Les super-héros dans ce film ont été mis à l'écart, comme des gens anormaux, on ne veut pas les voir. Et là, justement, on essaye dans ce film de les remettre sur le devant de la scène, c'est-à-dire de les sortir de leur cachette. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec les gens différents, entre guillemets différents. On les cache, on ne veut pas trop en parler. Et justement, c'est très bien, ce film, il voit ça très bien. Vous savez, je pense que les Pixar, ils suivent beaucoup la société, l'actualité, ce qui se passe. Mmh. Hein, moi, je pense aussi. Et en vrai, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'est que y a vraiment ça à plusieurs étapes. Il y a ça quand on parle des super-héros, mais même pour mon personnage, le fait d'être démasqué, d'assumer qui elle est, d'assumer le fait que elle est une sorte de double identité. Il y a un vrai message d'acceptation de soi, en plus du message de l'acceptation de l'autre. Dans ce film, il y a énormément de messages qui essayent d'expliquer, apparemment aux enfants, mais je pense aussi aux adultes, que finalement, il faut vraiment, vraiment commencer à accepter et à appliquer les différences sans forcément et vraiment sans juger les gens. Je pense que c'est un des messages les plus forts qui est dans ce film. Il y a un truc d'humanisme qui est assez impressionnant pour un film d'animation, en fait. C'est une jolie claque qu'on a pu voir dans Vice-versa, par exemple. Ils ont cette valeur. Ils ont cette valeur. Chez Pixar, il y a des grosses valeurs et ça fait du bien de voir ça dans des films d'animation et de se dire qu'en fait, finalement, même ce genre de choses passe par l'éducation pour les enfants. Je trouve ça assez touchant, en fait. Est-ce que vous voyez ce film comme un film féministe, dans la mesure où l'héroïne est une femme, en fait, et que l'homme est au foyer? Oui, c'est vrai que là, pour la première fois, le super-héros est au chômage, et il reste à la maison, à s'occuper, donner le biberon aux enfants, etc., pendant que c'est sa femme qui part en mission et qui travaille. Donc ça, c'est nouveau, c'est vrai, jusqu'à présent, c'était plutôt le contraire. Donc on peut dire que c'est féministe, peut-être, c'est pas. En tout cas, il se débrouille pas très bien. La preuve, il est obligé de venir demander de l'aide à Edna, etc. Et puis, celle qui n'a pas de super pouvoir, mais qui s'occupe très bien, là, c'est aussi Edna, qui est aussi un personnage féminin. Je sais pas s'il est féministe pour moi. Je pense qu'il est vraiment humaniste. Je pense que justement, ça permet de montrer aux gens qu'il y a des familles différentes et qu'aujourd'hui, en 2018, c'est plus... la maman à la maison et le papa qui travaille, et qu'il y a plein de types et de schémas de famille différentes. Je pense pas que ce soit si féministe que ça, je pense que c'est plus large. Je pense qu'il y a un côté d'égalitarisme qui est presque omniprésent et que c'est vraiment plus de l'humanisme que du féminisme. Parce qu'on n'est pas sur un pouvoir aux femmes, on est sur un partage des tâches. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui relève plus de l'égalitarisme et de l'humanisme que plutôt juste du féminisme. Oui, le féminisme, c'est Wonder Woman, là. C'est ça. Carrément. Oui, c'est ça. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les valeurs, c'est des films qui avancent c'est le avec partage, la société. En fait. Le partage, le vivre ensemble et l'acceptation des différences et le non-jugement. Je reviens au travail technique dont parlait Gérard. J'aimerais savoir, vous trois, déjà, est-ce que vous bougez quand vous faites les voix? Comment ça se passe avec votre corps? Et l'autre question, c'est le travail vocal. Vous dites que vous avez travaillé votre voix, notamment Gérard, pour atteindre plus les médiums que les graves. Est-ce que vous pouvez donner deux, trois trucs pour avoir accédé à ce travail-là?
Alors, il n'y a pas de truc particulier. Il y a un travail qu'on fait ensemble, en équipe, avec Barbara, Boilem, Virginie. On arrive à trouver le ton exact au bout d'un moment. Après, c'est fini. On a le personnage, tout va bien. C'est vrai que, encore une fois, comme le disait Amanda et moi tout à l'heure, on ne découvre rien avant. Hein. C'est vraiment le jour où on le fait. Ça serait intéressant de l'avoir une semaine avant le film. Donc, juste pour regarder les expressions déjà. Parce que entre la rythme et les expressions, vous n'avez pas le temps. Votre œil, vous êtes concentré sur du jeu. Mais en même temps, il faut le saisir furtivement, le jeu. Donc c'est complexe. Hein. C'est en cela que le manque de visionnage avant, il y a un léger manque. Vous ne voyez pas du tout le film avant, juste pour vous en sortir. Rien du tout. Mais après, ce qu'on voit, nous, souvent, en le faisant, il est en anglais. Ouais. C'est-à-dire que Luan, je l'ai entendu en anglais. Amanda, je l'ai entendu avec sa voix. Moi, je vous ai entendu. Voilà. Je suis la dernière à l'avoir tourné, en fait, à avoir fait le doublage, donc j'ai eu leur voix, j'ai eu la chance d'avoir leur voix, et je vous assure que c'est de la chance. Oui, alors, parce qu'on sait, pas comment l'autre va répondre. Nous, on a découvert tout ça dimanche, en fait. Est-ce qu'on a bien travaillé ou pas? Mais grâce à Dieu, on a été rassurés par les gens qui ont travaillé avec nous, qui sont d'une telle générosité déjà, d'une telle exactitude, d'un tel professionnalisme, qu'on ne peut que leur faire confiance. Et parce qu'ils savent faire en sorte qu'on puisse leur faire confiance. Ils ont les mots pour ça. Et on a toujours besoin d'un taulier. Voilà. C'est clair. Dans n'importe quelle situation. Donc à partir de là, on avait cette équipe qui nous a permis d'aller vers ce qu'ils idéalisaient le plus chez nous, c'est-à-dire la voix évidemment, mais pas forcément une voix grave comme j'ai, puisque l'âge fait, la clope, la vie, les énervements, peu importe, nous transforme la voix, on devient de plus en plus grave. Et d'ailleurs, souvent au cinéma, les jaloux en général hein, font la remarque, et, alors ils parlent comme ça. On parle tous comme ça à certains âges, ils verront. Mais le problème n'est pas là. Il a fallu remonter dans les médiums, comme vous dites. Après, c'est on chope le personnage et après, la voix devient naturelle. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et tu bougeais ? Alors pour bouger, ça, bien sûr. Pour donner l'énergie au moment où il faut la donner, s'il bouge, il bouge. Et moi, on doit bouger. Hein? Moi, je mettais des champs de force tout le temps. Voilà. Elle montre bien. Je sais pas, j'étais en train de jouer et dès que je faisais un champ de force. Donc, quand on fait un champ de force, il y a ce. Moi, en tout cas, Violette, quand elle fait un champ de force, elle a ce cri incroyable qui fait ah! Qui est assez chelou. Et du coup, pour donner l'intention, j'étais là, genre ah! Et je faisais vraiment ça parce que j'étais en train de sortir un champ de force imaginaire. De moi, c'était assez agréable. Vous devriez essayer de on va mettre des champs de force. Alors attention, parce que quand elle prend un coup, c'est presque le même bruit, mais c'est pas pareil. Du coup, alors à l'inverse, du coup, moi je faisais ça pour essayer de me donner un coup à moi-même. Je faisais et c'est pas le même. C'est deux différents. Mais c'est très difficile, toutes les petites onomatopées ouais. Quand on a des trucs. Moi, je déteste les H. C'est-à-dire que tout le temps, il y a écrit des H. On peut maintenant. Il y a une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. La flèche vers le haut, c'est... Et la flèche vers le bas, c'est... C'est trop de micro-détails qu'il faut apprendre, en fait. Ouais. Merci beaucoup pour ce petit mode d'emploi et puis pour nous avoir donné tous ces secrets de fabrication. Merci à tous les trois. Moi, je propose à Disney de faire des cassettes, enfin des DVD, des DVD. De formation. Voilà, de formation, c'est-à-dire que les gens pourraient chez eux, avec un micro, essayer de faire des personnages. Ce serait génial. Voilà. Et ça serait. Il faudrait mettre l'arythmement dans les bonus des films. Ouais, voilà. Bon, faire tout le travail, mais ouais, avec des gens qui ont décidé, tiens, je vais acheter ça à mon fils. Et on va s'amuser en famille à doubler, nous, le dessin animé. C'est une excellente idée. Génial, charmé. On va s'associer, Lorraine, là-dessus. Grave. Allez. On dépose le brevet. On dépose le brevet. Merci beaucoup à tous les trois, Gérard.